Yorana. Bonsoir, reporter télé. Voilà, je m'appelle Bruno, je suis polynésien d'origine, des îles Marquises. Nous sommes ici ce soir pour promouvoir la destination et surtout travailler en toute collaboration avec les professionnels dans le tourisme, comme Henri qui représente le Crown Plaza, ou bien Leslie qui représente une agence de voyage spécialisée sur Tahiti et ses îles. Positionnement dans l'Europe est vraiment d'attirer une clientèle, pas de masse, mais une clientèle avertie sur une destination lointaine de 23 heures de vol et qui aime découvrir non simplement une destination, une diversité, mais proprement dit une culture polynésienne. Tahitinu est notre compagnie aérienne internationale dont vous pouvez le prendre à partir de Charles de Gaulle, CDG de Paris, et qui vous amène directement en Polynésie française. Les îles, nos îles, elles ont une diverse chacune de l'autre. Actuellement, nous avons 118 îles. Elles sont divisées en 5 groupes d'archipels. Moi-même, je représente une partie du côté tourisme dont je travaille en toute collaboration avec les professionnels dans le tourisme comme Leslie. Mais notre culture est surtout basée sur le peuple polynésien. Tout simplement parce que, premièrement, on a 5 groupes d'archipels qui fait qu'on a 5 langages différents. Voilà. Ce qui nous amène aussi à plusieurs types d'activités. Thank you.
dehors des îles montagneuses, qui sont des îles volcaniques qu'on trouve dans les îles Marquises, que vous avez peut-être entendu parler comme les artistes Brel et Gauguin, mais nous avons d'autres destinations comme l'île de Tahiti, et bien sûr l'île la plus connue en Polynésie, c'est l'île de Bora Bora, mais dont les Polynésiens ne s'accordent pas par rapport à l'idée européenne ou touristique en lui-même. Bora Bora est une de nos îles jolies de la Polynésie, mais par contre, nos paradis cachés de la Polynésie n'est pas vraiment l'île de Bora Bora. Vous pouvez aussi trouver des îles dans l'archipel des Tuamotu, qui sont des atolls qui offrent une diversité d'activités, et surtout de la grande plongée sous-marine, qui sont des activités d'océan. Une chose à savoir, les activités plongées sous-marines en Polynésie, vous n'allez pas en Polynésie pour plonger, mais vous allez en Polynésie pour découvrir ce que c'est une plongée avec des poissons, des gros poissons, que ce soit des requins citrons, des dauphins ou autres types de requins. Et d'autre part, vous avez des destinations en Polynésie comme dans les Australes, l'archipel des Australes, qui offre une culture complètement différente des autres archipels. Parce que la population, elle vit de la plantation, vit de la pension de famille, qui est notre type d'hébergement hôtelier en Polynésie française. Mais bien sûr, nous représentons en Polynésie à peu près 260 000 habitants. Et plus de 50% habitent sur l'île de Tahiti parce qu'ils y travaillent. Mais je ne considère pas que notre pays a une conscience de pauvreté. Tout simplement parce qu'en Polynésie, on peut vivre... Non simplement on peut vivre par lui-même, c'est la famille qui fait vivre les gens en lui-même. Yeah.
avons cet espace maritime dont la France est bien heureuse de nous avoir, où on a du poisson à tout moment de l'année. Et en plus de ça, nous avons des célébrations de festivals en Polynésie, le Heiva, qui dure pendant un mois. C'est une rencontre de plusieurs archipels de populations, comme ce que vous avez vu ce soir, le Tiki Village. Et en plus, vous avez d'autres activités comme le Hawaii Kinui, qui est une activité très connue en Polynésie française, qui est le sport polynésien, la pirogue, et d'autres activités comme la pêche. Et bien sûr, notre deuxième économie après le tourisme, c'est la perle polynésienne. D'ailleurs, j'en porte une ici. C'est vraiment une perle qu'on trouve tout simplement dans nos îles. Et avec moi, j'ai Maïma qui est là, qui est aussi polynésienne, qui a une identité complètement différente des îles Marquises, dont je vais vous un peu lui poser la question, comment elle vit ce que la culture polynésienne. Comment tu vis la culture polynésienne, Maïma? Yarana, ça fait 20 ans que je vis en France, donc la culture polynésienne est en moi chaque jour de ma vie. Donc j'essaye d'inculquer tout ça et puis je travaille pour l'Office de tourisme de la Polynésie et j'essaye de promouvoir ma culture dans le monde entier. Maruru.